Bonjour les gars. Yo les gars, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2024. Nous sommes partis pour la dernière étape en ligne de la série avec la Israël Startup. Aujourd'hui, étape entre Nice et le col de la Couillole. Ça y est, nous arrivons déjà une première fois à Nice. Ça sent la fin. Ça sent la fin de ce Tour de France qui aura été quand même très intense, très riche en émotions également. Nous, dans tous les cas, notre tour est déjà réussi. Voilà, maintenant on peut plus être rattrapé au classement de la combativité avec Hugo Hull. Donc ça sera une juste récompense, à moins que il abandonne. On sait que c'est compliqué à la fin de tour avec Hugo Hull. Il est malade, il a chuté également lors de l'avant-dernière étape. Donc ça sera une journée encore une fois compliquée. Mais c'est la dernière, il faut s'accrocher. 138 km aujourd'hui. On aura le col de Turini, le col de la Colmiade et le col de la Couillole. Comme grosse difficulté aujourd'hui, le col de la Couillole. Je sais pas s'il a déjà été emprunté par le Tour de France, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les favoris vont se régaler, encore une fois, aujourd'hui. En tout cas, voilà. Nous, on va essayer de partir en échappée, un petit peu comme la journée d'hier. On va faire le maximum avec Deregui, avec Hugo Hull également, même si avec Hugo Hull, on est détaché de ce classement de la montagne. Nous maintenant, voilà, c'est se faire plaisir avec Hugo Hull. Il aura porté pendant 17 journées le classement de la montagne. Donc c'est quand même bien, c'est quand même très très bien. On s'en rappellera. Gros pic de forme avec Deregui. Alors là, on pouvait pas mieux finir par contre ce Tour de France. Un énorme pic de forme avec Deregui, il y a du mieux pour Hugo Hull. Ça devrait passer sans encombre aujourd'hui. Donc ça c'est super, on va tenter aujourd'hui avec Deregui. Là ça rebat toutes les cartes sur l'étape d'aujourd'hui. On n'a plus rien à perdre, on n'a clairement plus rien à perdre. Faudra faire attention à Peyo Bilbao uniquement aujourd'hui, surveiller le classement de la montagne. Mais aujourd'hui clairement si on peut choper le classement de la montagne et passer en tête, notamment de la Colmiane et de Turini, ça serait beau. Ça serait beau et ça... On va dire ça terminerait le tour de la meilleure des façons. Et surtout que lui, il mériterait. Surtout au vu du boulot qu'il aura fait dans ce Tour de France, Deregui. Allez, on est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette dernière étape en ligne du Tour de France, les prétendants du classement général auront encore l'occasion de se livrer bataille. Avec 4 cols de plus de 15 km, les organismes seront soumis à rude épreuve. La moindre défaillance pourrait avoir des conséquences fâcheuses avant l'ultime contre-la-montre de demain. Et oui, hein, là, il s'agit plus d'arriver vers les Champs-Élysées, hein, comme on a eu l'habitude de faire. Nous sortons de Nice, nous sommes déjà à Nice pour cette dernière étape en ligne. Nous, on va suivre. On va suivre les coups, il y a Kulseth, le Jayne, c'est Bob Jungels. C'est Bob Jungels, on est suivi par Richard Carapace. Bon là on a clairement tous les meilleurs grimpeurs, hein. Guillaume Martin, bon Arnaud démarre, hein, toujours, on sait pas ce qu'il fout là lui, il aime bien les étapes de montagne. Sylvain Dillier, ok, on accompagne Nicou côté Alpecin. C'est intéressant, c'est intéressant, nous on va pourquoi pas demander à Jakob Fuglsang de suivre les attaques également, s'il y a une possibilité, s'il y a des relances au sein du peloton. C'est les équipiers de la Little Trek qui roulent à l'avant du peloton. Parce qu'il n'y a personne de représenté à l'avant. Tout simplement. Bon, nous, notre gros pic de forme devrait quand même pas mal nous avantager. Hein. Ça devrait pas mal nous avantager. Allez, Fuglsang, il va peut-être partir là en échappée. Et on part directement à Col de Turini. Hein. On part direct avec un gros col. On va pas tarder à y arriver. Eh oui, c'est la totale énergie qui roule à l'avant. Ils ont personne. Nous, pour l'instant, on est emmené sur un petit plateau, j'ai envie de vous dire. Comme il y a pas mal de monde devant, bah, c'est les rouleurs plutôt qui font le boulot. Nous, on est plutôt pas mal. C'est ouais, c'est Simon Yates en personne qui roule. C'est bizarre parce que justement il devrait se mettre à la planche pour justement emmener Simon Yates.
Donc c'est bizarre la stratégie. On voit Cavendish également. Je ne sais pas ce qu'il fait à l'avant du peloton. Mais en tout cas, l'échappée a pris 1 minute d'avance. Donc va se diriger tout droit vers le col. C'est le col de Turini. Allez, on est à 5 km du col de Brose. Du coup, c'était pas le col de Turini. Hein. Le col de Turini sera un petit peu plus tard. 15,3 km à 5,3% de pente moyenne. Il y a 10 points. Il y a 10 points à aller chercher au sommet. Et nous, qu'est-ce qu'on est fort aujourd'hui? On fait une sacrée impression, nous, avec Derek Guy. Là, de toute façon, je le sais. Hein. Je le vois, hein. Généralement, quand je suis au top de ma forme. Il n'y a pas photo et ça a complètement disloqué l'échappée. Ça a complètement fait bouger l'échappée. Et nous, on va revenir à la pédale sur le groupe devant. Allez, nous, on va se contenter de suivre. On va se contenter de suivre. L'objectif, c'est de prendre un maximum de points. Bon, je pense qu'on prendra au minimum 4 points. On devrait se disputer le classement là. Entre nous 4. C'est Wilco Kelderman. Voilà. La Jumbo Visma qui tente un coup. Ça tente quelque chose. Alors on va déjà prendre notre gel, nous, malheureusement. Voilà, on a pris un petit peu de notre gel. Et ça revient. Ça y est, c'est revenu. 2 minutes d'avance pour l'échapper. C'est déjà compliqué hein, pour pas mal de monde. On sent que la fin de tour approche. Hein. Ah, c'est la Ineos qui roule. Nous, on va essayer de faire quelque chose. Hein. C'est terminé pour Jack Stewart et Hugo Hull. On va demander à Chris Taylors de protéger Hugo Hull. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être une journée galère, hein, le pauvre. Il essaye de s'accrocher, mais c'est compliqué. Hein. On voit déjà les groupes étaient se former à l'avant du peloton. Ah, ils sont pas bien, là. Faut en placer une. Allez, attaque de Derek Guy à 1 km du sommet. Allez, on fait mal, là, on fait mal. Hein. On fait mal, là, c'est en train de craquer dans tous les sens. Il n'y a plus grand monde pour suivre, il n'y a plus personne pour suivre. Et on va prendre les points. On va prendre les points au sommet. Et ça fait 10 points en plus, en comptant que Pogacar lui prendra 0 point. Donc ça y est, on va pouvoir repasser là. On va pouvoir repasser en tête de ce classement provisoirement. Et 1 minute 30 sur le peloton. Ah, c'est Kelderman hein, qui fait la descente. Nous on se repose, hein. On sait que c'est une journée compliquée. Beaucoup de montées, descentes. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger au prochain col de la journée. Allez, ça y est, on est dans le col de Turini, là, à 88 km de l'arrivée. Le col de Turini, c'est loin. C'est le col le plus dur de la journée. Et nous, on décide de partir avec Derek Guy. On décide de faire la course aujourd'hui. On sait qu'il est long, le col, mais là, on va re-rentrer sur un espèce de faux plat. Nous, on va faire notre ascension à notre rythme. Vous allez la vivre, cette ascension de Turini. C'est le col le plus compliqué de la journée. Bon, il y aura également le col de la Couillole. Mais nous, on décide. Hein. On décide de prendre les choses en main très tôt. Allez, on va prendre le gel maintenant. Bien manger, bien se ravitailler. Et 2 minutes 10 hein, sur le peloton. C'est terminé pour Stéphane Williams, qui aura fait un bon boulot, notamment pour garder Fuglsang. Nous, derrière, on est en train de se battre. Hein. On est clairement en train de se battre pour que Hugo Hull finisse dans les délais. Ça va être compliqué aujourd'hui, mais ça peut passer quand même. Hein. On peut pas le lâcher. C'est pas le moment de le lâcher, Hugo Hull. Allez, ça va revenir derrière. Ça va revenir, mais il est long ce col. Il est très très long ce col de Turini. Puis il y a une belle échappée hein, représentée. C'est terminé pour Bob Jungels.
Il a dû se faire un... ouais, il a dû se faire avoir. C'est pas que c'est fini. C'est qu'il a dû se faire avoir, à mon avis. Ah, faut absolument qu'on arrive à 7, hein. Nous, notre objectif, faut que Pogacar ne prenne le moins de points possible. Voire pas du tout. C'est pour ça, on met un petit tempo là. Allez, on est un petit peu plus loin là, dans le col de Turini. L'échappée qui va probablement se faire reprendre, ou du moins pas très très loin. Ça roule à bloc hein, derrière. C'est les équipiers de Peyo Bilbao qui roulent à fond. Et nous, on va pas se relâcher, hein. On va pas se relâcher d'aussitôt. Nous, on la gère cette montée, hein. On la gère à la perfection. C'est un col qui est très très long, qui est très irrégulier. Allez, on a repris une minute. On a repris la minute. Fuglsang, de toute façon, est toujours dans le groupe, hein. Il est toujours dans ce groupe. On voit le panneau des 5 km, hein. On le voit là. Ça y est, on a repris de l'avance. On a repris un petit peu d'avance. Maintenant, c'est Geraint Thomas qui se met à rouler. Nous, on le fait à notre rythme, hein, le col. C'est important. Là, va falloir accélérer, hein. Dans cette portion. Allez, hein. C'est pas une attaque, hein. C'est vraiment histoire de relancer. Ça m'a l'air d'être terminé pour Henrik Maas. Henrik Maas, c'est terminé. Il n'y a plus que Carapaz derrière pour suivre. Et là, on est clairement en train de faire le trou, là. Là, ça y est. Ça y est, là, on est à bloc, hein. On est à bloc. Carapaz derrière, il est à bloc aussi, hein. Ils sont clairement à fond, les gars, derrière. Allez, nous, on reprend de l'avance, hein, sur le maillot jaune. Ça, c'est bien. Allez, vraiment vite finir ce col de Turin, là. Prendre les 20 points qu'il y a à distribuer. Et on aura fait le plus gros aujourd'hui. Après, est-ce que ce sera suffisant pour prendre la tête? C'est qu'après, ça fera 20 points d'avance, hein. S'il gagne l'étape, encore Pogacar. Et ben, c'est lui qui remportera ce classement. C'est pour ça, nous, on veut à tout prix, hein, qu'il ne passe pas. Ça y est, on a fait l'écart. On a clairement fait l'écart là. Il y a du monde hein, sur les bords des routes. Ce qu'on est en train de réaliser avec Deregui. C'est beau. Je peux vous dire qu'on est à 100%. C'est terminé pour Fuglsang. Au niveau des délais, on en est où là avec. On en est où? Hugo est toujours là, ok. Ah, c'est compliqué, hein. Il est déjà pointé à 9 minutes, hein. Mais ça devrait quand même pouvoir rentrer dans les délais, hein, je pense. Juste, mais ça va passer. Allez, on en retente une, là. Allez, là. Allez, faut accélérer, là. T'es à 2 km du sommet. Allez, encore un effort. Là, on est clairement en train de faire le trou, hein. On roule plus vite que tout le monde dans ce col de Turini. Ça se trouve, on va même battre un record, hein. Le record de la montée. Et là, on est bien. On est bien. On est à bloc. Ouais, on va pas être loin des 3 minutes, hein. On va pas être loin des 3 minutes d'avance. Nous, on va arriver au sommet comme prévu. Maintenant, la question, c'est est-ce que Tadej Pogacar va passer en tête? Enfin, va prendre des points. À mon avis, je ne pense pas. Je ne pense pas, à moins que. Mais ça me paraîtrait quand même bien compliqué. Et nous, on aura maîtrisé l'ascension à la perfection, hein. Voilà, nous, on est à bout. Et on passe en tête. On passe en tête. Et on prend la tête de ce classement. Et là, nous, on va faire la descente, hein. C'est pas fini. On va la faire, cette descente à fond. Attention, là, les virages. C'est quand même bien négocié, là.
de la part de Deregui. Là, c'est super hein, pour l'instant. Il fait une magnifique descente. Allez, pour l'instant, ça passe à la perfection, hein. Les épingles. Je sais pas, je me rappelle plus si le col de Turini était une descente à l'époque dans les défis descente. Ça me parle, ça me dit quelque chose. Pogacar pointé à 3 minutes. Hein. Et nous on a pris plus d'une minute trente hein, sur Wilco Kelderman. Là on est clairement en train de faire une sacrée étape. Hein. Encore une fois. Toujours à l'avant, hein, Deregui. Toujours à l'avant. Il est inusable, ce coureur. Après, ça serait bien qu'on aille chercher une étape, hein, une étape de montagne. Jusqu'à maintenant, on a pris une étape, on a pris deux étapes de sprint. Ouais, à mon avis, je pense que c'était dans les défis descente, à mon avis, hein. Ça me parle bien, là, cette descente. Puis en plus, j'ai l'air de la connaître par cœur. Ah ouais, si. Si, si, si. Là, on est clairement en train de faire le trou, là. Hein. On est en train de creuser dans cette descente. Oh, c'est pas la meilleure que j'ai faite. Mais là, on a clairement fait le trou. On aura perdu peut-être un petit peu de temps. Allez, on relance bien là. Et le groupe Pogacar, ouais, il est ouais, magnifique là. Magnifique. Là, on est clairement en train de faire l'étape de notre vie, hein. Là, on est en train de creuser un écart. Allez, bien finir là ce virage. Ça y est. Ça y est, on en a fini avec la descente. On va directement emprunter un nouveau col. On a pris du temps. On a pris énormément de temps dans cette descente. Allez, vite arrive au ravito là. Va vite falloir arriver au ravitaillement. Et on va pas être loin des 4 minutes. Hein. À mon avis, sur du Tadej Pogacar. Forcément, eux, ils peuvent pas faire la descente à bloc. Hein. C'est pas possible. Pour l'instant, on est en train de faire une étape en solitaire. Hein. Et pour l'instant, ça nous sourit. 3 minutes 45. Sur le groupe Pogacar. Nous, on commence à imprimer un petit tempo là. Et ouais, hein, 3 minutes. 3 minutes sur le groupe Pogacar. Ça y est, hein, on a passé le ravitaillement. 50 bornes de l'arrivée. Ah, c'est magnifique là ce qu'on est en train de faire avec des Deregui. C'est magique. Et là, ça y est, on va entamer l'ascension. Ça y est, il n'y a plus personne intercalé. Hein. Il n'y a plus personne intercalé. Il n'y a vraiment plus que moi et le groupe maillot jaune. Là, c'est la Colmian. Hein. La Colmian, c'est dur. Mais si on gère notre effort comme ça peut être pas mal. Là, je peux vous dire que derrière, ça roule à fond. Hein. Derrière les carapaces, ça roule à bloc. Et on passe du coup, là, actuellement, au sprint intermédiaire. On passe en tête. Le maillot jaune est bien revenu. Le maillot jaune pointé à 1 minute 30. Ah, une trente d'avance, on a perdu pas mal, hein, mais derrière ça roulait à bloc. Derrière ça ne fait pas semblant.
et ce depuis le début de l'étape, hein. On roule vraiment à fond derrière. C'est João Almeida et Marc Soler, hein, qui roulent en personne. Romain Bardet dans les roues. Mais nous, on ne fait pas plus d'efforts. Hein. Actuellement, on ne fait pas plus d'efforts que les autres. Donc peut-être que ça va revenir, mais nous, on sera frais. Eux, ils sont déjà épuisés. Ils sont en train d'imprimer un gros tempo, là. Hein, les coéquipiers de Tadej Pogacar. Va-t-il tenter dans la Colmiane? Et on est à 3 km du sommet du col de la Colmiane, donc bah, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, on avait 1 minute 30. Eh bien, l'écart est toujours le même. L'écart est toujours le même, on continue de faire notre tempo, à notre rythme. On reprend même un petit peu d'avance sur ce groupe. Je pense qu'on va même pouvoir aller à bloc, hein, parce que la descente de la Colmiane, il est pareil, compliqué. Allez, on va pouvoir aller à bloc maintenant, les deux derniers kilomètres. C'est de prendre un maximum d'avance. Vite, vite, aller dans la descente. Derrière, ouais, il n'y a pas eu de distancé, hein, dans le col de la Colmiane. Là, on fait pas semblant. On fait pas semblant. Ça y est, l'écart remonte. En comptant qu'on va faire la descente. Ça y est, là, l'écart qui augmente considérablement. On est à 800 mètres. 800 mètres du sommet du col de la Colmiane. Ouais, on va être à ouais, 2 minutes, 2 minutes 30. Hein. À mon avis. Ah, il faut faire le boulot là jusqu'au bout. Allez, c'est parti. C'est parti, on entame la descente. Allez, pareil que le col de Turin. Hein. Faut faire la même descente. Allez, prendre bien de la vitesse, là. Ouais, on va prendre 2 minutes. 2 minutes en comptant que, ouais, il y a eu quand même des distancés. Hein. Il y a eu des distancés. 2,04. D'avance. Ouais, je la connais, la descente. La descente était également dans les My Tour, enfin dans les défis descente. Il y a possibilité, hein, je pense, de reprendre du temps. Allez, bien relancer là dans les parties droites. De toute façon, ça roulera pas plus fort que nous. Hein. Ça roulera pas plus vite, ça sert à rien de se mettre à accélérer comme un bourrin. Allez, belle épingle là. Allez, ça c'est joli ça. Ça c'est joli, on va prendre de l'avance grâce à ça. Après, le col de la Colmiane, il est plus roulable hein, quand même. Il est plus roulant. Plus roulant que dans Turini. Faut quand même qu'on pense à se ravitailler à un moment ou un autre. Allez, pour l'instant, 2 minutes 20. L'écart augmente. Allez, c'est bien là. C'est très bien. 2 minutes 30 maintenant. On est pointé. On relance bien dans les parties. Les parties roulantes. Là, les virages, ils sont à la perfection. Ah, ils s'améliorent. Ils s'améliorent en descente des Reggie. Ah, et voilà, bien relancé. Voilà, ça c'est beau, ça c'est joli. On est bien là, on est bien. On est à 23 km de l'arrivée. Voilà, bien prendre les virages. Voilà, ça c'est joli. On va prendre pas mal d'avance là.
On va prendre pas mal d'avance avant le col de la Couillole. Allez, ça y est. Ça y est, là, faut relancer. On est à la fin de cette descente. Là, maintenant, c'est simple, hein. 20 km. Et seulement 5 km avant Faut les la faire à bloc, réalisation de en l'ultime comptant qu'on a étape de cette notre étape, ravitaillement. le col de la Couillole. À 3 minutes, c'est une très très belle avance, hein. C'est une très très belle avance pour Deraghi. Nous, de toute façon, on va rouler comme ça jusqu'au bout, hein. On le sait, on sait comment se gérer. On va bientôt entamer la montée, hein. Dans 3 km. Et 3 minutes au pied, vaut mieux les avoir. Vaut mieux les avoir, les 3 minutes au pied. Allez, on est à Saint-Sauveur là, ça va pas tarder à débuter. On perd rien là, sur les 3 derniers kilomètres, on perd rien du tout. Allez, ça y est, on y est. Hein. On y est, on peut déjà voir que ça monte bien. Hein. Ça monte très bien. Et c'est Ça y parti est, pour on la y est. dernière ascension répertoriée au classement de la Allez, montagne hein. de Allez, ce mon Tour de grand. France. Le col de la On la gère, Couillole cette montée. Hein. Normalement, est j'ai fait longue en sorte avec d'avoir une suffisamment dernière d'énergie. dernière qui oscille entre 6 et 8%. Là, je ne vois pas comment avoir de défaillance sur cette étape. Surtout qu'en plus, avec les virages, on va pas perdre de temps. Hein. Vu à la vitesse où on va, on va pas perdre de temps. Allez, hein. Le début, il est quand même plutôt roulant. Pas mal de virages qui nous favorisent. Je vous le dis, on va pas perdre beaucoup, hein, au début. Ça va se jouer à la pédale. Allez, on a déjà passé 1 km, hein, de cette montée. Même 2 km. Et on a perdu, hein, on a quasiment rien perdu. On va faire une superbe étape aujourd'hui avec Deraghi, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Vingegaard distancé? Non. Bah, Vingegaard, il est loin. Il est loin dans la file, hein. Très très loin dans la file. Allez, 13 km. 13 km, mon grand. Allez, hein. Il y a encore 2 minutes 30. Allez, les virages nous font quand même pas mal avantagés, hein, sur ce début d'ascension. Ça serait bien qu'on ait d'autres virages. Ça serait pas mal. Nous, de toute façon, on le fait au train. Eux, je sais qu'ils sont à bloc. On fera à peu près jeu égal avec Tadej Pogacar, je pense, aujourd'hui. Allez, 11 km, 11 km. Allez là. 2-12. Allez, plus que 2 minutes. Allez, on lâche rien, on continue comme ça. Ah, c'est bien ce qu'il est en train de réaliser là. En train de réaliser une super montée. On se rend pas bien compte comme ça, mais c'est beau, hein, ce qu'il a été faire. Hein. Pourtant que c'est loin d'être le meilleur descendeur au monde. Je pense que sans avoir fait la descente, je pense qu'on serait déjà lâché, hein, actuellement. Et l'écart plafonne. 1 minute, ouais, 1 minute 50 à 10 km de l'arrivée. L'homme de tête est à 10 km du sommet. Allez, on va pas tarder à prendre notre gel. Et on perd rien. On perd plus rien. Eh oui, ils sont à bloc, hein. Ils sont à bloc derrière. Voilà, là, on va reprendre du temps, là. Là, sur des parties comme ça, on va reprendre du temps, c'est sûr.
Et ouais, là, on devrait être déjà lâché, là, du col de la Couillole. Romain Bardet distancé, il prendra pas de points, lui. Déjà, c'est sûr. Il n'y a plus de Joao Almeida, il n'y a plus de Kelderman, il n'y a plus grand monde pour les favoris. Ah, et là, en plus, ça va être plus roulant. Ça va être beaucoup plus roulant. Attaque du maillot jaune. Attaque du maillot jaune. Il va essayer de nous reprendre. Hein. Allez, faut rien lâcher là. Faut rien lâcher. Ah, il a placé son attaque, mais il a gagné que 30 secondes. En comptant que, comme je vous ai dit, ils sont à bloc. Hein. Ils sont à bloc. Moi, je suis loin d'être à bloc. Hein. Très, très loin d'être à bloc. Allez, faut continuer comme ça. C'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout, mon grand. Allez, hein. Il y a le maillot à poids à aller chercher. Il y a le maillot à poids. Il y a encore une minute d'avance. Une minute, c'est beaucoup. Pogacar, quand il va reprendre la minute sur nous, il va finir crevé. Hein. T'as une minute d'avance sur le maillot jaune. Même si ça revient fort. Mais nous, on réalise quelque chose d'assez incroyable. Hein. C'est bien là ce qu'on est en train de faire. Pogacar, lui, il est au bout. Hein. Il est au bout. Nous, on est encore à 6 km du sommet. On va ralentir un petit peu. Hein. Histoire quand même de gérer. Allez, les virages en plus, ça va nous favoriser, ça. Ça va nous favoriser. On perd plus rien. On perd plus rien sur Pogacar. Ça, c'est l'information. Est-ce qu'il montre ses limites enfin, Tadej Pogacar? Eh oui, hein. Ça va être chaud, ça va être dur en tout cas pour nous. On s'accroche, on s'accroche. Il est juste derrière. Allez, 5 bornes, 5 km. 5 km. Et en plus là, ça va être un petit peu plus plat. Hein. Ça va être légèrement plus plat maintenant. Allez, c'est pas le moment. C'est pas le moment de craquer, on sait que Pogacar, lui faut qu'il soit à bloc. Hein. Il en aura fait beaucoup, Pogacar, que ce soit sur le Tour de France ou sur cette étape. On perd plus rien. On perd plus rien sur Tadej Pogacar, là, sur le dernier kilomètre. On prend même un petit peu de temps. On va l'avoir, cette étape. Hein. Elle est en ligne de mire, c'est plus plat maintenant. Allez, on lâche rien, mon grand, on lâche rien. Putain, ça va être dur, ça va être dur. Que ça va être compliqué. Je vois pas comment on pourrait tenir, mais ça serait une énorme déception. Hein. Que 3 km pour l'homme de tête. Ça serait une énorme déception avec Guy, franchement, de pas gagner cette étape. Ah là là, ça va pas le faire. On va se faire reprendre à 3 bornes. Après tout le boulot réalisé. Il faut espérer une défaillance de Pogacar, mais même lui, il est au train. Il est au train et ça revient sur nous. Mais bon, il peut pas en faire plus, hein. C'est ce qu'il faut se dire aussi, il peut pas en faire beaucoup plus. C'est un 2 km, on va se faire reprendre à 2 bornes, les gars. Ah, oh, la déception. Ah non, faut arrêter de rouler. Je refuse. Faut plus rouler là. Faut plus rouler. Faut plus rouler là. Faut que Pogacar, faut plus qu'il roule. Je vais le bloquer. Faut plus qu'il roule. Faut qu'il nous laisse la victoire. C'est pas possible autrement. Tu passeras pas. Putain, s'il passe, non, il passe pas. S'il passe, il passe. Il va les gagner. Il va les gagner, Tadej Pogacar. Ouh, ça m'a l'air quand même compliqué pour Pogacar là. Tra là, coup dur, on va même pas pouvoir avoir le maillot à poids.
Vingegaard, et on va finir devant Vingegaard, hein. Ça, c'est quand même une énorme performance, hein. À moins qu'il termine à bloc, mais je suis même pas sûr. Ça va être la victoire du coup de Tadej Pogacar, y a rien à faire. Y a rien à faire, clairement. Allez, à 300 mètres, là. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Allez, est-ce que ça va passer? Oui, ça va passer, hein. Ça va passer, on va finir avec une minute. Ah, c'est quand même une belle performance, hein, de la part de Deregui. On était à ça, franchement, on était à rien du tout. Je pense honnêtement que si on n'aurait pas attaqué en début d'étape, on avait l'étape aujourd'hui. Je pense. Je pense. Mais non, même pas du coup, on va rien perdre. On va avoir le maillot à poids aujourd'hui avec Deregui, parce qu'on a, on a fait le plein. Pogacar est passé premier, mais nous on passe deuxième, donc ça va passer. Ça va passer pour le classement du meilleur grimpeur. On va être au maillot à poids de ce Tour de France. Et c'est mérité, hein. C'est largement mérité. Et on pourra féliciter Jack Stewart, hein. Parce que Jack Stewart, il aura roulé toute la journée pour que Hull ne finisse pas dans les délais. Bon, pour que Hugo Hull, pardon, finisse dans les délais. Et Hugo Hull termine dans les délais. Donc il terminera le Tour de France avec le classement de la combativité. Et ça, c'est énorme. Ça, franchement, chapeau. Chapeau bas, monsieur. Il se sera sacrifié. Du coup, c'est la victoire de Tadej Pogacar au col de la Couillole. Et du coup, il va remporter, hein, logiquement, le Tour de France 2024. Le maillot vert pour Jesper Philipsen, pareil, hein, il termine dans les délais, ça le fait, c'est fini. Il sera maillot vert. Et le classement de meilleur grimpeur, Deregui. On se sera battu jusqu'au bout. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier col, jusqu'au col de la Couillole, jusqu'au dernier col répertorié. Et on finit meilleur grimpeur de ce Tour de France. C'est une consécration aujourd'hui pour Deregui. Deux étapes, deux victoires d'étape. On fait une deuxième place au col de la Couillole. Et le classement du maillot blanc pour Remco Evenepoel. Donc là, on va commencer à pouvoir faire les comptes. Notamment au classement, classement du maillot vert, classement du maillot à poids. Non, il termine hors délai, Hugo. Oh, la déception. Il n'y avait rien à faire aujourd'hui. Abandon de Cavendish. Jakobsen hors délai. Oh, ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce qu'il termine juste après. Oh, ça se fait pas. Ça se fait pas. Franchement, c'est dur. Franchement, faire ça, c'est assez dur. Parce que ça veut dire qu'il a une défaillance sur les 500 derniers mètres et il rentre pas dans les délais à cause de ça. C'est compliqué. Franchement, c'est une déception. C'est une immense déception, là, par contre. L'organisation, c'est pas top. Du coup, victoire de Tadej Pogacar devant Deregui, devant Jonas Vingegaard, Remco qui finit à 2,55. Jamie est 5ème à 3 minutes. Roglic a craqué aujourd'hui. 3 minutes 18. On a du Richard Carapaz, 7ème. Carlos Rodriguez, 8ème. Félix Gall, 9ème. Et Peyo Bilbao, qui termine du coup à 5,18. Donc on reprend 4 minutes 18 sur Bilbao. Et du coup, on peut annoncer, hein, je pense maintenant haut et fort, qu'on terminera dans le top 5 du Tour de France. Le classement ne devrait plus trop bouger. Je pense que sur certaines places, c'est acté. Même Bilbao va perdre sa sixième place au profit de Jay Hindley. Nous, du coup, on va terminer à la cinquième place de ce Tour de France. Même s'il reste un chrono, on ne perdra pas 7 minutes. Sur le chrono, ça c'est sûr. Du coup, ouais, 4 minutes 23 hein, pour Pogacar sur Jonas Vingegaard. Primoz Roglic, 3ème, à 5 minutes 6. Remco qui finit à ouais, 6 minutes 25. Il va y avoir quand même une bataille entre la 3ème et la 4ème place. Ça va être intéressant. Classement de meilleur grimpeur, du coup, Deregui avec 120 points. Heureusement qu'on a eu le pic de forme hein, au meilleur des moments. Pogacar, du coup, 2ème avec 95 points. Classement du maillot vert, toujours dominé par Jasper Philipsen, qui terminera du coup maillot vert de ce Tour de France 2024. Le classement des jeunes, ça sera pour Remco Evenepoel. Le classement par équipe, toujours dominé par la Bora Hansgrohe. Et la combativité, du coup, finalement, ce sera Magnus Cort Nielsen. Mais franchement, on mérite. On mérite. C'est une triste fin. Mais comme quoi, il en faut pour raconter des histoires. En tout cas, les gars, voilà, c'est la fin de cette 20ème étape. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas à poser un maximum de pouces bleus, à vous abonner en activant la cloche
des notifications. Et nous, on se donne rendez-vous demain pour la dernière étape et la fin de cette série avec la Israel Startup. Je vous dis à la prochaine, je vous dis à demain pour le chrono. C'était Matt. Ciao, ciao l'équipe.